Bonsoir à tous et bon début de semaine. Bienvenue à l'espace d'échange sur les questions de sport. Vous êtes bien sûr sur CRTV Sport and Entertainment et c'est Sport Club qui vous accueille. Veillée d'armes au menu des Lions indomptables du Cameroun, Lion Fagnon, dans la perspective de la sixième journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La sélection nationale affronte le Rwanda demain. Une confrontation, l'ultime pour cette phase éliminatoire. Et Antonio Conte-Sessao et Issek Poulin seront face aux Amaboubis du Rwanda. Demain donc une confrontation qui arrive 4 jours seulement après le revers de Praia devant les requins bleus du Cap-Vert. Quel visage des Lions indomptables demain? La bande Antonio Conte-Sessao pourra-t-elle se relever de la gifle de Praia? C'est la question que l'on se pose et on tentera d'en avoir la réponse au cours de cette édition de Sport Club. Qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, également à l'ordre du jour avec les Lions indomptables qui seront bientôt au défi de la sélection chilienne. Ultime confrontation également pour participer à cette compétition prestigieuse. Les Camerounaises auront-elles les moyens nécessaires pour pouvoir arracher le ticket qualificatif? C'est la dernière chance pour les Lions. On va revisiter la liste de Ndjomfa, le sélectionneur national, est présélectionné et repasser également en revue la préparation des Camerounaises pour pouvoir essayer de ressortir ce qui fera les forces et les faiblesses de cette sélection. En attendant, on va accueillir tous nos panélistes et le premier à qui je dis bonsoir ce soir, c'est bien Thierry Metomo, entraîneur de football. Bienvenue sur ce plateau, bonsoir. Merci Edith Virginie, merci à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à vos téléspectateurs. C'est la forme j'espère? Non, c'est la forme, moi je suis toujours en forme, surtout quand je suis entouré de certaines personnes. Merci d'être là Thierry, on va également dire bonsoir à Laurence Kédé qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, bonsoir Laurence. Good evening Edith, good evening to my fellow panelists. À côté de vous, il y a d'autres panélistes. Sando Lomtiti, toujours présent et très fier d'être avec nous pour parler des questions de sport. Bonsoir Sando. Bonsoir Edith, bonsoir à vos invités. Le sport n'est pas quelque chose d'étranger pour vous. Vous êtes journaliste à la CRTV et vous êtes très intéressé, surtout en ce qui concerne le mouvement olympique. Tout à fait. Merci de m'avoir convoqué. Vous savez, dans les sélections, on n'invite pas les joueurs, on les convoque. Donc, comme si nous sommes ici pour parler du sport, merci de m'avoir convoqué. Nous allons essayer de faire le meilleur de nous-mêmes. Et enfin, mon ami personnel, je vais le dire ainsi. Bonsoir, Raymond. Good evening, Edith. Thank you for the call-up. Alors, vous êtes là et on dit une fois de plus merci d'être avec nous. Sport Club de ce soir, c'est parti. La première pause actu ce soir nous amène tout droit à Las Vegas aux États-Unis où le Cameroun s'est placé sur le toit du monde à travers son valeureux ambassadeur Francis Ngannou a donc arboré le titre ou la ceinture de la discipline le mix martial art. C'était le week-end, il a donc dominé l'américain Stipe Miocic. C'était après 7 minutes seulement de combat et il a pris donc cette ceinture mondiale de la plus prestigieuse des compétitions organisées dans cette catégorie, dans cette discipline. Champion du monde des poids lourds au Ultimate Fighting Championship. Il fallait le faire et c'est une bonne nouvelle. Le Cameroun est plus que jamais présent dans les sports nouveaux et même de la plus belle manière. C'est quand même une performance à saluer, Thierry Metomo. C'est une performance à saluer, surtout que ça vient d'un homme qui, si je peux me permettre de dire, part du désespoir à l'espoir. Quelqu'un qui a vécu des moments difficiles dans sa vie, dans son enfance et pendant toute sa vie. Il est quand même parti clandestinement du Cameroun, hein, il faut le reconnaître, pour se retrouver du côté de Paris, où il a commencé à être distributeur de pâtes alimentaires et autres pour finalement entrer dans un club de MMA.
pas parce qu'il avait pour passion la boxe anglaise, avec une icône dans sa tête, Mike Tyson. Il voulait absolument ressembler à Mike Tyson. Il s'est dit, ben, je vais faire un certain nombre de choses. Quand il s'est retrouvé du côté de la France, il est entré dans le MMA. Aujourd'hui, 6 ans après, il est quand même champion du monde. C'est pas donné. Ça veut dire que ça a été un parcours très difficile. Il a bagarré, il a travaillé. C'est avec abnégation qu'il se retrouve là aujourd'hui. Et il est d'ailleurs venu chercher la bénédiction. Now, so he waited the first round, and from the second round, in a space of 52 seconds, he had Miyoshi beaten out. So, I mean, it's really congrats to him. Congrats to equally to Cameroon, because when you watch all over the USA, you see the green, red, and yellow flag everywhere. So Ngannou has really carried this nation to another level. He's a self-made man. He came back. I mean, we saw him with his foundation trying to create, he's trying to build up something at the level of Cameroon. I mean, now he's worth about 3 billion francs CFA. So with his foundation, he's already trying to implement a good number of things at the level of his country. We saw him with the rapid intervention battalion. I mean, that patriotic spirit, he's trying to rekindle it in every Cameroonian. So I'm really proud of him. And I mean, these are the guys who make us proud, and we should use them as role models. Beaucoup de fierté quand même, hein, tel que vous le dites. Et quand on regarde, par exemple, le combat, et seulement après 7 minutes, vous prenez la couronne et face à un adversaire qui était déjà détenteur de la ceinture, c'est quand même une performance, une grande performance. Est-ce qu'on ne peut pas parler de précocité dans cette histoire? Non, not really, because Ngannou worked hard for him to be able to get to that position. Mm-hmm. Let's not forget, Stipe Miocic is going to be in the Hall of Fame of the UFC. I mean, he has had that belt for the last 4 years, for the past 5 years. So to hold that belt for 4 years, I mean, Stipe Miocic has done something that neither Brock Lesnar nor Randy Ngannou has done something. And he was asked in the post-match interview, he said, this is the belt, and he wants to bring this belt to Cameroon to show youths in Cameroon that with hard work, with abnegation, you can change your destiny. And I think those are the kind of people that we need. Et justement, vous le dites, Raymond et Loumé, et c'est quand même un exemple pour la jeunesse déjà. On l'a vu se battre parce qu'il a été, il a bourlingué, hein, comme on le dit. Il a été agent de sécurité, videur, il a été moto-taximan, et puis devenu sportif 6 ans seulement après avoir s'être jeté comme cela dans cette discipline. Il a aujourd'hui, il recueille, hein, les fruits de sa patience, également de son... Mais Sando Lomtiti, vous avez regardé ce combat, et quand on voit la puissance avec laquelle il décharge les coups de poing sur son adversaire, il y a quand même lieu d'avoir des espoirs, hein, pour la suite. Oui, il y a lieu d'avoir des espoirs, mais je veux répondre en 3 points. Le premier point, c'est voilà un dieu avec petit dé qui n'a pas oublié d'où il vient, parce qu'on l'a vu revenir au Cameroun, se ressourcer, dire aux gens ce qu'il a fait, montrer comment il chargeait les camions de sable, montrer comment il transportait les matelas, montrer et offrir même ce qu'il avait autour de lui. Ça veut dire, vous savez, le roi n'aime pas ceux qui les ont venus. Il y a des gens qui effacent leur passé pour montrer le bon côté. Mais lui, il a dit aux gens, voici d'où je viens. Et quand vous essayez de regarder certaines de ces photos, il est en train de consommer les beignets à arco bouilli en bordure de la route, comme il a fait dans son enfance. Pour moi, ce sont les faits marquants. Et maintenant, sa victoire me rappelle celle d'un Camerounais footballeur, vous me permettrez de faire une virgule de ce côté, Samuel Eto'o, qui racontait que sa première victoire en Champions League avec le Barça, quand lui, il courait, il ne courait pas seulement pour suivre le ballon. Il suivait le chèque promis par le président du club, lui, fils de Newbell. Quand il a entendu le montant que chacun devait recevoir, la prime spéciale, c'est la prime-là qui mettait la pression sur lui. Donc, notre compatriote est venu au pays, il a pris la bénédiction, comme on dit, il a promis de se venger, parce que la dernière fois, en 2018, il a perdu au poids. Bon, cette fois-ci, il a dit, OK, il faudrait que le combat s'arrête
le plus tôt possible. Et le combat s'est arrêté à la 52e seconde. Voilà, donc vous comprenez quand même qu'il a mis le paquet pour pouvoir atteindre cette performance. Ce que l'on peut retenir, il faut croire en son rêve. Il faut croire en son destin. Il a cru, il est allé au-delà des attentes et il a mis fin à la gloire, sinon à la prestance d'un autre champion. Parce que celui qui était là quand même, il n'est pas arrivé là en regardant la télé. Il est arrivé parce qu'il a travaillé. Cette fois-ci, notre compatriote que nous saluons a remporté. Mais il a remporté... Anglaise que tout le monde aime bien, que tout le monde regarde chez nous et que tout le monde voudrait bien pratiquer. Est-ce que la fondation de Francis Ngannou pourrait aider à ce que ce sport s'implante réellement au Cameroun? Je vous la pose comme question, Thierry, notamment. Non, je crois que c'est possible. C'est possible, même comme le camp de l'unité est en train de disparaître. J'espère que Ngannou il va réfléchir dessus. C'est possible. C'est possible parce qu'au niveau des infrastructures, il y a des choses qui essayent d'avancer aujourd'hui. Il y a des choses qui essayent, n'est-ce pas? Il y a un réveil des pouvoirs publics. Il faut bien qu'on pense aussi aux autres sports, c'est-à-dire à ces sports dits mineurs partout ailleurs. Quand vous allez quand même du côté de Japoma aujourd'hui, il y a non seulement le terrain de foot, qui est connu, mais en même temps vous avez la piscine olympique, vous avez aussi un gymnase qui existe, et si du côté de l'Embé ce sera aussi la même chose, donc ça veut dire que nous pensons quand même à ces sports-là. Bon, je crois qu'en parlant du handball, on va parler aussi des deux autres terrains, gymnase, n'est-ce pas, simplifié, parce que nous avons souvent des mots terribles dans notre pays, deux autres gymnases simplifiés qui ne sont pas encore réellement sortis de terre, mais c'est possible. Je crois que ce qui se passera avec un homme comme Ngannou, c'est qu'il y aura d'abord des sponsors, parce que c'est de la visibilité. Et à son niveau champion du monde, évidemment, il doit avoir un véritable centre. S'il a une fondation, comme il a mis sur pied sa fondation, ne soyons pas surpris que les choses aillent un peu plus vite si les pouvoirs publics aident Ngannou à trouver du terrain quelque part. Et on va vous dire, on a construit, n'est-ce pas, un centre pour lui où les gars peuvent effectivement travailler, parce que, évidemment, un homme comme Ngannou, il va vous dire, nous avons vécu ça avec Emebe, il pourra vous dire, je voudrais aller défendre le titre chez moi, oui, dans mon pays. Et c'est pour attirer un peu plus... C'est d'ailleurs l'un des éléments qui manque aux Africains. Si, c'est ce qui manque souvent aux Africains. Donc, je pense que... Et puis, il y a des jeunes qui s'intéressent de plus en plus au MMA. C'est vrai que nous avons eu des difficultés ici. Je crois que Sando peut se rappeler avec Essissima. Quand il a été champion du monde, n'est-ce pas, de boxe française, nous avons eu des difficultés parce qu'effectivement, il est allé se confondre avec ceux qui faisaient la boxe anglaise et ça n'a pas plu à ces gens-là, surtout qu'on avait à ce moment quelqu'un qui sortait la tête du lot, malheureusement qui est décédé, Cassie Norbert. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec Ngannou, il est pratiquement seul à faire parler de lui. Donc c'est possible qu'il puisse, n'est-ce pas, attirer avec lui la sympathie, non seulement des jeunes, mais des pouvoirs publics, et qu'on pense, n'est-ce pas, à développer cet art-là. I just wanted to add that... What Thierry Metomo is saying, it's Ngannou was asked the question that if he has to defend his title against which opponent. And there were three. Either he still fights Stipe Miocic, which will become a trilogy, or you have an up and coming other UFC star, which is John Jones, who has taken a little bit of weight. He's stepping up a category and moving on to the heavyweight. Or there is Derek Lewis, who had beaten Ngannou, still back in 2018 after he got beaten by Stipe Miocic. So, and he was asked the question, where will this fight be? He was a little bit hesitant because he was hesitating between either having it in London or in Dubai or still in Las Vegas. And I mean, it has to bring us to think that on a certain 24th October 1974, there was the rumble in the jungle, which was Muhammad Ali versus George Foreman. Yeah, I think forever. Africa has to rememorate those past events in the sense that MMA today, which is having some visibility, we also have an African, or let me say somebody who is an African, Anthony Joshua, even though he has a British passport, from Nigeria. Why is it that we cannot have a fight
Tyson Fury, Anthony Joshua in Africa, even though both of them are British. Why can't Ngannou defend the title somewhere in Africa if it is not Cameroon? So I think as from now, the fact that we have three African champions who are in their category, it has to make African countries to think that we should have the infrastructure to be able to host such events. En tout cas, Francis Ngannou nous met au travail, hein, tous, pour que nous puissions quand même trouver des structures, des infrastructures pour abriter ce genre de show chez nous et que tous les Africains puissent quand même voir leurs héros évoluer sur leur base. On va prendre une petite pause et on se retrouve tout juste après. C'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qu'il nous impose. Limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et voilà, après cette pause, on ouvre une autre page, cette fois pour parler handball. Et Thierry Metoma en parlait tout à l'heure, je crois que nous y sommes. C'est pour parler de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. La compétition s'annonce au Cameroun et les Camerounais se préparent à l'abriter et même à la suivre. Les Lions indomptables sont au four et au moulin et travaillent d'arrache-pied tous les jours, pendant qu'au niveau de l'administration du handball camerounais, on accueille les émissaires de la Confédération africaine de handball. Le président Aremu Mansourou de la Confédération africaine de handball est au Cameroun depuis hier et c'est pour visiter les infrastructures sportives devant abriter la compétition prévue au mois de juin au Cameroun. Il y aura donc, après cette visite, le tirage au sort de la compétition et les participants sont déjà connus. Outre le Cameroun, pays organisateur, il y a l'Angola, 13 fois champion du champion d'Afrique, mais également le Sénégal, la République démocratique du Congo, l'Algérie, la Tunisie, et bien la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cap-Vert, sans oublier le Nigeria et Madagascar, tandis que le Kenya est encore en réserve pour se prononcer sur sa participation. En attendant de savoir ce qui sera fait, comment les choses vont se passer, on va tous simplement dire que cette visite arrive quand même un peu vite peut-être, mais est-ce que le timing est bon, Thierry Metoma? Oui, le timing, il est bon parce que je crois que la Confédération est en train de respecter tout simplement ses textes. Je crois que le tirage au sort doit se faire, si je ne me trompe, deux mois avant la compétition. Et si c'est fait ainsi, tant mieux. Et puis, ils ont un représentant ici, je crois que c'est Nicole Magnier qui fait son travail, qui est en train de monter et descendre pour voir comment est-ce que les choses devraient se passer. Il y a, tout est quand même au niveau avec la fédération. Mais simplement, il y a des petits couacs, n'est-ce pas, qui interviennent dans cette affaire et qui nous font malheureusement mal. Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a le gymnase qui est du côté de Mfandena qui était prévu pour accueillir les séances d'entraînement des différentes délégations qui devraient arriver. Mais je crois que le ministre ne s'est déplacé que la semaine dernière pour aller voir ce qui se passe de ce côté. Et nous sommes sans ignorer que cet espace n'est pas encore viable, il n'est pas encore opérationnel et ça fait réfléchir. Donc nous serons peut-être obligés d'aller chez des privés parce que ce qu'il y a à l'école des travaux, c'est privé. Il va falloir aller plutôt de ce côté-là, aller louer, aller faire ceci, aller faire cela, et puis utiliser en même temps les installations du Papouasi. C'est pas évident en tout cas, c'est pas évident, mais je crois que nous sommes au courant de cette affaire depuis pas mal de mois. Je voudrais même pas dire d'année, mais c'est surprenant de voir que nous allons arriver en retard. Et c'est pour ça que nous avons un souci dans notre pays. Moi, je suis footballeur, oui, mais désolé. Pensons à développer les autres sports dans notre pays. Quand c'est le foot, on se mobilise réellement. Mais là, c'est quand même une compétition. Mais comment expliquer cette mobilisation seulement quand il s'agit du football? C'est la question qu'on se pose. On ne peut pas parler de mobilisation uniquement pour le football.
bien que je puisse avoir des arguments. Que ce soit un peu plus sérieux quand il s'agit du foot. Ouais. Oui, en fait, cette mobilisation, on l'a connue avant avec la boxe. Thierry en parlait tout à l'heure avec Emibé, oui. Où on voyait la République, le chef, le premier président Amadou Ahidjo, qui avait des liens presque particuliers avec Bessala, entre autres. On a vu cette mobilisation, que ce soit sous le président Ahidjo ou sous l'actuel président, pour ce qui est du cyclisme. On a vu les gens... Il y a une course cycliste qui porte quand même le nom de la première dame. De plus en plus, on a organisé des compétitions en basketball où le Cameroun est devenu presque le centre de cette discipline pendant un temps, c'est en Afrique. On a organisé les compétitions en volleyball, on a organisé le tennis de table. Malheureusement, la pandémie est venue nous coincer. Thierry a raison, tout simplement parce que pour ce qui est du foot, les gens se mobilisent très rapidement, étant entendu que ça, là-bas, il y a à la fois le miel, le lait et le sucre. Donc les gens se disent que ici, c'est... Bon, là, l'autre côté, il y a le sucre, mais quel genre de sucre? Ça ne peut pas permettre qu'on puisse s'enrichir trop vite. Quand vous regardez les stades qui sont construits, comment ils seront entretenus, le montant d'argent qui a été injecté, ça pose problème. Mais moi, maintenant, je suis content que le Cameroun puisse accueillir la CAN, oui. Et je suis content que le timing des choses soit respecté. Le président... Je voulais vraiment rebondir sur cette histoire de timing pour dire, est-ce que techniquement, et eu égard au problème d'infrastructure qui a été posé, est-ce que techniquement, mm-hmm. le Cameroun peut gérer les 14 pays 12. Je vais dire 12, mais il y a un pays qui est encore en réserve. Mm-hmm. Donc, allons jusqu'à 14, peut-être pour dire, est-ce qu'on est capable de les gérer? Il faudra gérer les entraînements, il faudra faire un certain nombre de choses. Oui, déjà, je ne suis pas très inquiet, parce qu'on a parlé du timing. Je vais arriver au niveau des infrastructures de tout autre. Jeudi, le tirage au sort aura lieu ici même à la CRTV, au studio 1. À 17h, c'est en baladeux. Donc, ça veut dire que les dispositions ont été prises. Sur le plan sanitaire, les dispositions ont été prises telles que les journalistes qui devaient même se rapprocher de l'aéroport ont été invités à passer à la Fédération Cameroun de Hand, faire leur texte dimanche à 10h avant d'aller à l'aéroport. Maintenant, pour ce qui est des infrastructures sportives, parce que le président de la Confédération qui est arrivé dimanche a été reçu aujourd'hui au ministère des Sports et de l'Éducation physique par M. le ministre. Il a eu une séance de travail avec le président de la Fédération camerounaise de Hand et il a continué pour la visite des infrastructures hôtelières et autres. Bon, à ce niveau-là, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais votre inquiétude, et qui est celle des Camerounais, c'est au niveau des infrastructures sportives. Nous avons un palais polyvalent des sports qui est capable d'accueillir 2, 3, 4 matchs en une journée, on l'a vu. Mais maintenant, on sera tenu ou on sera sommé ou amené à aller louer les infrastructures sportives pour l'entraînement. C'est de ça qu'il est question. Il y a une infrastructure déjà au sous-sol du palais des sports où la Confédération pourra organiser les passages des équipes. Il y a l'école des travaux publics, il y a l'école de postes et télécommunications. Il y a d'autres particuliers qui ont des structures pouvant permettre de s'organiser pour pouvoir faire des entraînements. Je ne voudrais pas tomber dans l'auto-glorification parce que notre pays va faire ci. Je suis interpellé, comme tous les autres Camerounais, à être prudent, à être vigilant. Thierry, en allant citer le gymnase simplifié, moi je dirais très simplifié même d'ailleurs, du stade de Fandenham, c'est choquant. C'est choquant tout simplement parce que budget initial, 500 millions. Avenant, 450 millions. Bravo. Quand on sait quand même qu'on met une marge de 15% du budget normal lorsqu'on organise des choses. Mais vous allez quand même, avec un avenant qui côtoie le budget initial, ça ne peut être qu'au Cameroun. C'est clair que ce ne sera pas réalisé, c'est non, ça? Non, et c'est pour ça que c'est très simplifié. Parce que nous avons tellement regardé les films chinois qu'on crie « Ya, ya !» Donc, si, quand vous avez volé et qu'on n'a pas atteint le milliard, ça n'intéresse personne. Parce que là, quand même, pour ce gymnase très simplifié, on n'a pas encore atteint le milliard. Prenons les avis d'abord de Laurence Kédé et de Raymond Eloumé. Vous vous sentez rassuré par rapport à la gestion des entraînements des pays qui arrivent avec le palais des sports, l'école des travaux et l'école des postes? There's an element that we are forgetting. This competition was supposed to hold from the 2nd to the 12th of December last year. Mm-hmm. That, I mean, if you go to the
website of the Confederation of Handball. It was supposed to be from the 2nd to the 12th of December, but it was postponed due to the COVID-19 measures. So we had a prolongation of 6 months. And even 6 months, we are not yet ready. That's where the problem is. And I think there, Thierry Motema is a little bit right in the fact that if it was football, I mean, we would have been having the minister's visit like every week. Did the minister go and visit last week simply because the president of the Confederation of Handball, Dr. Mansuru, was coming this week? I mean, there we have to look at it maybe from that angle. I think we don't mind that Cameroon is always on newspapers continentally, worldwide, that we are hosting one competition or the other every year. But I think in order to host, we have to be able to have the right hosting procedure such that we keep on hosting these tournaments. And I think not only football, but like Thierry Metemo was saying, we should look at the other sporting disciplines, which have also brought us joy. Handball, volleyball, football, boxing, athletics, these sporting disciplines have brought us a lot of joy in this country, and we should be able to have a look at them and much as possible. I'm not reassured, but I know that as Cameroonians, we'll always find a way to host. And you see the president of the Confederation of African Handball will say, no, Cameroon has been wonderful in terms of the organization, in terms of everything. But initially, our worry still stands that how are they going to manage the 12 to 14 teams? I mean, it means it's going to be limited. That, okay, this team will train at this time, this team will train at this time, and it will give a lot of work. Meanwhile, if we had had the right and appropriate preparation, we would not have been having so much worries over our head. C'est également votre avis, Lawrence? Yeah, I think it's, I go in the same line of action. We never prepare ahead of events. I mean, for the past 5-10 years, every event hosted in Cameroon, it's just as if we are running behind time, especially when it concerns infrastructure. It's difficult to understand, really, why we always have to wait for the last seconds before, I mean, the minister, it's now that the minister is trying to say exactly what can be used. But above that, we should not equally forget about our handballers, the ladies who are going to take justement, part. Justement, on en venait, we are talking on en venait of the tout à l'heure pour parler de cette and we préparation. Are forgetting about the preparation itself, because I always say there is no need hosting where you can't have the possibility of winning. Let's equally remind ourselves that Cameroon has the gold medal for women handball at the level of the All African Games. After winning the gold medal, they said there was no money to go to Senegal for the qualifiers, whereas football has all the money they need. So it really shows you that handball is a discipline that has really been neglected so far. And when you look at the selection, the local selection that was made, I mean, you take FAP, Dynamique de Bokito, Décassé, Fondation André Zico. That is all. All the players are from those four teams. It's just as if, I mean, handball in Cameroon is limited to those mais peut-être teams. Également que I mean, dans les autres clubs, il n'y a pas de joueuses pouvant faire l'équipe nationale. Yeah, but the federation nationale. Has to work. I mean, when we are hosting a competition like this, the objective should be the vulgarization of handball so that people should get more involved in d'ailleurs, il y a même une académie de handball qui a été créée. Jusque-là, on attend toujours les résultats de les premiers résultats de cette académie. The African Nations Cup of Handball should be a global. We should have a global view, a global perspective on it. We should have a communication vision, selling the image of Cameroon. We should equally have the development of handball. We should create an aspect, winning the game, development of infrastructures. And I think we are losing. I mean, even if we go there and win the competition, it wouldn't be a total victory. Et Lawrence, oui, Sando. Je voudrais rectifier quelque chose. Enfin, si le ministre a reçu le président de la Confédération aujourd'hui, s'il a eu une séance de travail, le président de la Fédération Cameroun de Han, ce n'est que demain qu'il fera la visite des infrastructures sportives, parce que son programme dans la journée
a changé. Mm-hmm. Et c'est là qu'il sera au Palais des Sports et il sera dans oui, les différentes écoles. Oui, on a dit écoles. Au futur hein, qu'il va visiter. On n'a pas donc, dit que non, non, là, le nouveau programme qui vient de tomber, c'est ce que je voulais partager. En tout cas, merci pour la précision. J'aimerais maintenant qu'on essaye de voir, toujours en ce qui concerne la préparation de nos Lions et notre sélection nationale. Il y aura plusieurs participants avec des pays qui viennent avec un CV suffisamment sérieux. L'Angola, 13 fois champion d'Afrique. Il y a également le Sénégal. Qui est sur la pente ascendante et qui tutoie de plus en plus l'Angola. Est-ce que face à ces géants, le Cameroun aura la capacité d'aller chercher le titre, même si c'est à domicile? Well, I think already the fact that winning the All-African Games, it's already il faut également voir dans quelles conditions on a remporté cette médaille. Je ne veux pas rentrer dans les détails, allons-y. Ok, it's a psychological booster. Winning the All-African Games is a psychological booster. I think we have six players, handball players coming from abroad. Maybe four from France, mm-hmm. and two from which other country I forget. But I mean the preparation. It's the federation is lukewarm. The ministry is lukewarm over all that. And I mean maybe we'll just have to rely on the fighting spirit of these girls and say we are playing at home. Best. Je vais me référer à un entraîneur. Deux mois de préparation, est-ce que c'est suffisant pour aller chercher le titre? La première chose qu'il faudrait dire, c'est d'abord bravo. Bravo parce que c'est une grande première chez nous de voir que ce soit une équipe une équipe en dehors du foot qui engage une préparation au moins deux mois avant. Généralement, nous avons, que ce soit le basket, que ce soit le volley, parfois on vous dit, écoutez, vous allez engager dans deux semaines, on va faire un certain nombre de choses et tout. On ne vous accorde pas vraiment certains privilèges. Et vous voyez que très tôt, elles se sont déjà retrouvées en stage, on peut déjà utiliser le Papouzi, ce qui n'est pas souvent, n'est-ce pas, à la portée de tous. Ça, je dis d'abord bravo à ce niveau, n'est-ce pas, au ministère et à la fédération qui, ils ont pu synchroniser cela pour que les filles entrent rapidement en stage. J'espère tout simplement que ce sera bénéfique. Et quand on parle de la préparation réelle pour une compétition comme celle-là, je crois qu'il devait avoir et des matchs amicaux et un certain nombre de regroupements et tout ce que nous n'avons pas fait, mais nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord. Et ici, je me dis, il y a des joueuses qui sûrement vont rejoindre le groupe qui viennent de l'extérieur, ces joueuses-là vont peut-être apporter une plus-value pour que le groupe essaie un peu de s'étoffer et puis qu'on monte d'un cran. Mais au niveau du timing de préparation... Mais on a bien envie de savoir ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est le titre ou alors on recherche seulement... Non, tel que c'est parti, Virginie, nous connaissons dans notre pays. Si on arrive à donner deux mois de préparation, on va vous dire que c'est pour le titre. C'est pas pour aller rigoler. C'est-à-dire que oui. D'abord que parfois, on vous donne 10 jours de préparation et on vous demande d'aller chercher le titre. Donc imaginons un peu maintenant, deux mois, on va vous dire non. Allez chercher le titre, parce qu'en plus, vous avez quand même eu une médaille il y a quelques mois, là, qui est revenue au Cameroun. Donc, c'est possible. Je crois qu'on va nous demander d'aller chercher le titre. Sandro Lomtiti. En fait, il faut dire, le timing, revenons-en, n'est pas si mauvais. Lorsqu'on se rend compte qu'ils venaient d'achever leur championnat, c'est à l'issue de ce championnat qu'on a dégagé les meilleurs. Mm-hmm. Même si, fatalement, je rejoins Lorenz sur l'absence de vulgarisation de cette discipline, mm-hmm. et l'absence de l'implication des entreprises. Quand on sait que dans ce pays, il y avait beaucoup d'entreprises qui accompagnaient la discipline. C'est au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le tissu économique peut-être ne le permet pas. La politique des fédérations ne le permet pas. On ne va pas taper tous les jours sur les doigts de la fédération. Nous allons faire avec ce que nous avons sous la main. Nous avons 75 jours pour pouvoir nous préparer. Est-ce que le moral est au beau fixe? On ne va pas passer le temps à dire aux joueuses qu'elles ne sont pas capables. Oui, elles sont capables d'aller au-delà des attentes. Mais maintenant, lorsqu'on essaie de regarder qui sont les clubs, qui sont les nations qui sont en face de nous, très humblement, c'est tentant, hein, Edith, d'être comme journaliste de sport et d'être invité à commenter la finale de la CAN de Han où joue le Cameroun. C'est tentant pour moi,
Cameroun, si, Angola. Oui, Cameroun, Angola, par exemple. Cameroun, mais sauf que, en tant que journaliste, je dois préparer les esprits pour dire la barre est trop haute pour nous. Ouais. Prions que nous soyons dans le top 3 des meilleures nations de cette compétition. Mais quand on regarde les autres éléments, quand on regarde les forces en présence, ce n'est pas notre cheval. C'est un cheval sauvage qui est très puissant par rapport à nous. Raymond? Yes, I think just to add that these players have been in camp since 17th of March. They're going to have about 2.5 months. I think we know our country, but I think the most important thing is rooting for them. And we'll only pray and hope that maybe measures would have changed by then such that we may have, just like for football, a 25% allocation such that we can go and be able to cheer these girls up. But sincerely, if we can, just like Sando was saying, if we can be one of the top three teams, I'll be very happy with that. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour doper ces filles afin qu'elles nous surprennent agréablement dans cette compétition? Parce qu'on tourne quand même autour du pot, autour du trophée tout le temps, mais on n'y arrive pas. Non, je crois qu'il faut, il faut tout simplement de la sérénité tout autour de la préparation. Qu'on évite les petits couacs que nous avons là. Bon, heureusement, cette fois, nous ne voyageons pas parce que souvent, ce sont ces petits couacs-là qui nous entraînent dans parfois, vous apprenez que non, le voyage était programmé pour tel jour. Elles se retrouvent plutôt à voyager peut-être une semaine après et arrivent pratiquement en retard au niveau de la préparation. Ce n'est plus totalement ça. Bon, c'est à la maison. Donc, je crois qu'il faut mettre tous les moyens pour qu'elles puissent se sentir beaucoup plus à l'aise, pour qu'elles puissent se sentir sereine et autre. C'est pas autre chose. Parce que si on va aller regarder à quoi ressemble la préparation, est-ce qu'on peut être au même niveau de préparation que les Angolaises ou encore ceci? Là-bas, on met beaucoup plus de moyens. C'est un peu difficile. Faisons avec nos moyens de bord. Thierry, avec votre permission, ces moyens existent. Il faut seulement penser. Vous ne pouvez pas demander aux joueuses qui ont certainement progressivement deux séances d'entraînement par jour de manger comme elle mange habituellement. Il faut un nutritionniste, il faut un diététicien. Parce que, en fait, je prends ce point parce que dans toutes les sélections, dans tout le mouvement sportif camerounais, on a tendance à oublier l'apport de la médecine du sport. La médecine du sport est pour 50% à peu près de la performance sportive dans un pays, et pour une sélection ou pour un club. Quelles sont les chaussures qu'elles vont porter, dans quelles conditions, quel est le type de tenue qu'elles vont porter? Je parle sous le contrôle de Dite Virginie. En volleyball, vous soumettez même vos tenues à l'étude pour voir si elles sont conformes à ce qu'attend la Fédération internationale. Donc je dis, ce qui dépend de l'État et de la Fédération devrait être fait maintenant pour qu'on laisse aux joueuses le temps de se dépenser. Mais si c'est l'entraîneur qui doit se battre pour telle chose, si c'est la joueuse qui doit rentrer, on va vous dire c'est un stage externe. Si on doit manger, vous savez de quoi je parle. On a vu des joueurs déverser leur colère sur le morceau de canne à sucre après les entraînements dans ce pays. Sando, vous êtes en train de me rejoindre, n'est-ce pas? Et je crois que beaucoup ici savent, je prends le cas de Mbahamute, basketball. Pourquoi il a décidé d'arrêter de jouer avec l'équipe nationale? C'est pour ce petit genre de couac. Il vient au Cameroun, c'est lui qui paye le logement de toute l'équipe nationale. Mais maintenant, simplement, ce qu'il a donné, après avoir dépensé près de 100 millions de francs pour son assurance, il vous demande simplement le bus. Le bus, ce jour, il a failli, c'est-à-dire devenir, parce qu'il n'arrivait pas à croire le bus qui était garé devant lui. Et après le bus, on vous dit non, ici le nutritionniste n'existe pas, il fallait faire venir quelqu'un. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai dit faisons d'abord tout à l'heure que nous fassions avec les moyens de bord. Les moyens de bord ici, nous avons la chance, c'est que la majorité des filles que nous avons, c'est celles qui jouent au Cameroun, oui, qui ne viennent pas de l'extérieur. Ça, c'est la chance que nous avons. Celles qui viendront de l'extérieur ont aussi, nous avons encore une autre chance, c'est qu'elles ont réellement joué au Cameroun. C'est pas comme ça se passe parfois en volleyball où certaines n'ont même pas joué au Cameroun et quand elles arrivent, faisons un effort, n'est-ce pas, de les mettre à l'aise. Ici,
nous sommes obligés de... Le volleyball fait quand même des efforts pour multiplier des stages à l'étranger. Mais ici, nous sommes en train de préparer une compétition. Mais quel stage nous avons engagé avant? Nous sommes sortis du Cameroun pour aller jouer ne serait-ce qu'un match amical? Non, rien. Est-ce que nous avons fait venir un pays... Nous avons fait venir un pays au Cameroun pour un match amical? Rien. Donc, ça veut dire qu'ici, au niveau de la préparation, c'est pas totalement ça. C'est... Monsieur Bita, le sénateur, il est obligé de faire avec ce qu'il peut avoir dans sa poche. D'accord? Donc, ici, qu'on essaye de mettre les moyens pour la sérénité autour de ces 75 jours. Et en 75 jours, un miracle peut arriver. C'est-à-dire, elles reviennent dans leur tête, elles sont bien. Avant de passer à autre chose, on va prendre l'avis de Laurence Kédé. Vous attendez également le miracle? Well, I think we should not just depend on miracles. He was talking of using our own means, the way we do things with our own means. At one point, I think we should step up the standard and do things as things have been done at the international level. And if we have to organize the African Nations Cup in terms of handball, we should have better organized a local championship, make it really competitive so that we have competitive players for the international tournament. And now we are just going with hopes. As usual, we are Cameroonians, just depending on a lion spirit and a possible miracle. And the miracle has, for most of the time, worked for Cameroon, but I think it's really time to set up the standards and do things as things have been done internationally. Just to add that you played handball. Volleyball. Volleyball. And handball. You also play handball. Now, will you not want to look at these younger girls, these your younger sisters, and say, I think some years after, things really should improve? And I think that's what we are clamoring for. That even after some years, when those who played handball, volleyball, football come after, I mean, they should look at, we're in 2021, we're in a new millennium, we think that things should change and things should be standardized. C'est notre souhait à tous, en tout cas. On voudrait voir le sport camerounais décoller effectivement et définitivement pour aller chercher sur le plan international des lauriers que tout le monde sait que le Cameroun mérite. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve. Venons-en à ce qui constitue le premier débat de la soirée. C'est pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. La phase éliminatoire tire à sa fin et à partir de demain, on aura les derniers qualifiés de cette compétition. Il y a encore quelques places à prendre. Et pour ce qui est du Cameroun, eh bien, le Cameroun croise le Rwanda après avoir été battu par le Cap-Vert. Eh bien, le Cameroun va retrouver le Rwanda demain pour une petite, on va dire tout simplement pour une autre prise de repère sur le terrain de Japoma. Et les Lions indomptables du Cameroun ne devraient pas être différents de ce qu'on a vu. Contre le Cap-Vert. C'est la même sélection qui va pratiquement être présente, et même s'il y aura peut-être quelques changements. En tout cas, les préparatifs vont bon train pour cette confrontation, mais intéressons-nous déjà aux qualifiés, à ceux qui sont déjà qualifiés. Première remarque, c'est que tous les grands de l'Afrique, tous les grands d'Afrique sont là. Sauf l'Afrique du Sud, En attendant la dernière journée. Well, I think the big nations are there. You already have when Egypt is there, Ghana. I mean, these are the big names of African football. Without them, you cannot have an AFCON. And let's not forget that the new format for 24 teams opens the door for many nations to come in. It's rather surprising that Kenya, Tanzania were unable to make it, whereas this new format opened the door for such small, so-called average nations to come in. So the big names are there, but I think we are much more interested with the newcomers coming into the competition. We saw Comoros, the whole nation, the entire nation celebrated, forgot about the COVID-19 distanciation measures. Everybody was in the euphoria.
I mean, the Gambia too, it's coming for its first time. That's African football. We like the surprises, and that's what really makes the magic of football on the continent. Je vais rebondir sur ce que dit Lawrence Kédé. C'est quand même une sacrée performance pour les Comores. On les attendait pas du tout. Bon, je crois que c'est vrai, c'est une sacrée performance, mais nous avons quand même vécu déjà des choses avec les Comores. Je crois que le Cameroun ne va pas oublier le petit combat hippique entre les deux pays qui est pratiquement arrivé aux tasses, parce que cette équipe avait déjà commencé, n'est-ce pas, à nourrir de gros rêves, n'est-ce pas, au niveau continental, et pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc, je crois que c'est une belle équipe, ça, il faut reconnaître. Moi, j'ai vu un peu comment ces mecs se déploient. Ils ont décidé d'être professionnels. Donc, c'est logique de les retrouver là. Retrouver la Gambie et autres, c'est très intéressant. Mais il faut avouer, tel que les choses sont en train de se présenter, nous risquerons d'avoir l'une des meilleures cannes. N'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, de la représentation, l'une des meilleures cannes. D'abord, nous sommes passés à 24, mais là encore, nous avons pratiquement tous les cadors qui sont présents. C'est le Nigeria qui sera aussi de retour réellement. C'est quand même l'Égypte qui veut reprendre son rang. C'est le Maroc, c'est ainsi de suite. Donc, toutes ces équipes sont pratiquement présentes. Et surtout, nous aurons ce petit duel. N'est-ce pas, de l'Afrique centrale que nous allons vivre. C'est chacun de son côté qui va se battre pour être le meilleur en Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon et puis la Guinée équatoriale. Et le Congo aussi. Donc vous voyez que c'est très intéressant quand même de vivre ça. Donc je crois que ça s'annonce bien, ça s'annonce intéressant, et je crois que nous au Cameroun, nous sommes plutôt contents, ce sera un régal. Raymond? Well, I think I'll look at something from a different angle. Ahmad Ahmad came in 2017, and in the AFCON 2019, Madagascar qualified. But we've had Patrice Motsepe coming in 2021. South Africa has been beaten by Sudan 2-0 and still able to qualify. So I think maybe that's the new Africa, because the old Africa was always that if you are somewhere at the helm, you were able to influence certain decisions. Ce n'est quand même pas parce qu'il y avait un Camerounais à la tête de la CAF que le Cameroun a remporté des trophées. But it was surprising that Ahmad Ahmad was from Madagascar. Madagascar was qualifying for an AFCON in 2019. It was very, very surprising. Merci de le souligner. But I think it shows that African football is changing. People are working hard. I think Sudan, they worked extremely hard and deserved their 2-0 win over South Africa. They are coming to Cameroon. I think we are happy for countries like Comoros. Comoros, who is affiliated to CAF since 2003, affiliated to FIFA since 2005. I think we are happy for these new countries coming. We'll be able to receive them. But just like Thierry Motema was saying, I think this is going to be one of the best AFCONs, because Cameroon, Nigeria, Ghana, Ivory Coast, Algeria, Egypt. And the others. Tunisia. Wow. Mali. I mean, I don't want to know how the group heads would be and the mashups which are going to be present for this 24-man competition. But I think it promises to be a wonderful tournament. I think teams which are going to be in Group A, because certainly Cameroon will be in Group A during the draws, everybody, nobody will want to be in the side ça of where Cameroon is. Plusieurs groupes de la mort. Bien sûr. Yes. Et je vais également prendre l'avis de Sandro Lomtiti. Vous êtes d'accord avec Raymond et Loumé qui pensent que c'est la nouvelle Afrique de football? C'est la Quand nouvelle. Quand on a un président de fédération qui est au niveau de la confédération, forcément, on se qualifie. Pas forcément. Ça peut arriver. Et je voudrais très rapidement dire que ce n'est pas parce que M. Ayat était arrivé à la tête de la Confédération africaine qu'on avait remporté la CAN. Il est arrivé en 88, on avait remporté en 84, on avait perdu en 86. Donc ça a été un heureux hasard, il a été un porte-bonheur parce qu'il arrive en 88. Non seulement on gagne, mais en 90, on fait mauvaise CAN et on fait une excellente Coupe du Monde, jamais égalée par un pays africain. Donc, elle a été un porte-bonheur pour le Cameroun et pour l'Afrique. Bon, maintenant, le président de la Confédération africaine de football arrive, qui est sud-africain, et il a la malchance qu'il y ait la réécriture de l'histoire du football africain. Puisque
Au moment où le Soudan parlait football, l'Afrique du Sud n'existait pas. Il faudrait maintenant qu'on retienne aussi ça. C'est-à-dire, le Soudan fait partie des toutes premières nations à prendre part aux phases finales de la Coupe de. And to win. Maintenant, moi, j'aime souvent regarder les petits éléments historiques. Mm. Le Soudan arrive au Cameroun après plusieurs décennies d'absence. Souvenez-vous quand même que c'est au Soudan que le Cameroun a écrit son histoire en 1970. Oui. Tout à fait. C'est notre première participation. Nous y arrivons. Certes, nous ne passons pas au second tour, mais c'est là où nous marquons l'histoire et nous amenons l'entraîneur allemand, qui était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. On les a battus 3-2 après avoir été menés 2-0 à la première mi-temps. Donc ça veut dire qu'on est allé pêcher quelqu'un de ce côté-là. Est-ce que le Soudan du Sud... Mm-hmm. n'a pas commencé à préparer ça en prenant nos compatriotes que pour un jour... pas le Soudan du Sud. Ils arrivent. It's not South Sudan. Non, je dis le Soudan du Sud un jour. Je dis pas, ah, d'accord. Ne pas préparer aujourd'hui, je dis un jour. Non, la beauté du football, c'est aussi ça. C'est-à-dire, le foot, c'est différent du volley, du basket, où lorsque vous êtes supérieur, vous êtes supérieur. Oui, oui, oui. Au football, vous pouvez avoir une possession de balle de 85% et vous perdez le match. Mmh. Parce que l'autre a marqué un but et il a fermé sa défense. Et le football a ceci de particulier, c'est qu'il faut attendre le coup de sifflet final pour estimer avoir remporté. Maintenant, l'autre beauté de la CAN qui va se jouer au Cameroun, c'est ce que les autres panélistes ont dit, ça regroupe tous ceux qui ont gagné au moins la CAN une fois. Donc ça veut dire que maintenant, l'hégémonie du Cameroun, de l'Égypte, du Ghana, du Nigeria sera remise en question. Pour moi, c'est cette beauté-là qu'on va regarder à côté des autres éléments que le Cameroun entend offrir au monde du football. Avant cette Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale, il y a quand même la dernière journée éliminatoire qui doit se jouer et le Cameroun sera face au Rwanda après la gifle de Praia où les Lions indomptables du Cameroun ont subi un véritable revers, battu 3-1 par les requins du Cap-Vert. Une performance qui a laissé beaucoup de Camerounais un peu perplexes et qui suscite des interrogations par rapport à la rencontre de demain. Quel visage des Lions indomptables par rapport à cette confrontation? Est-ce qu'après avoir subi ce revers, le Cameroun pourra trouver des éléments nécessaires pour rebondir? Je m'adresse à l'entraîneur que vous êtes. Oui, le technicien que je suis va être clair. Mm. C'est le visage que nous attendons réellement, c'est-à-dire ce que l'entraîneur sélectionneur nous a annoncé en conférence de presse. En conférence de presse, il nous a dit « je ferai avec des joueurs compétitifs, je ferai avec les meilleurs ». Et s'il dit « je ferai avec des joueurs compétitifs », vous allez m'excuser de faire… comme ça, un petit papa. Quand vous dites pour les deux équipes, il y a des éléments, il y a des paramètres que parfois on ne maîtrise pas. Est-ce que les Camerounais se sont suffisamment entraînés pour se rendre compte de Sando, que j'allais atterrir. Ne devrait pas non, être Sando, suffisamment utilisé. Non, Sando, j'allais atterrir. J'ai dit pour les deux équipes. Mais maintenant, j'ai un souci. Ça, c'est pour chuter. J'ai un souci. C'est, parfois, je me pose la question de savoir à quoi nous sert réellement la coordination des équipes nationales. Parce qu'ici, on devrait avoir, n'est-ce pas, une mission avancée qui va sur le terrain et qui vous dit que ce sera difficile. Et comment est-ce que nous pouvons quand même réussir l'exploit d'atterrir la veille du match? C'est terrible. Une acclimatation, c'est au moins 3-4 jours, Sando, tu le sais. C'est pratiquement la moitié de l'équipe du CHAN. Et les gars qui en veulent, qui veulent réellement gagner, qui veulent ça, donc ce sera pas de, on va pas aller passer, ce sera pas une partie de plaisir dans tous les cas. Donc demain là, c'est ce un sera match pas de foot. Une partie de plaisir. Laurent Skédé, l'entraîneur Antonio Conceição a peut-être mis une équipe contre le Cap-Vert qui n'avait pas suffisamment d'automatisme. Je veux parler des associations. Est-ce que pour ce match qui arrive, étant donné que nous serons quand même chez nous avec des conditions atmosphériques beaucoup plus favorables, j'aimerais le penser, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait changer j'aime dans cette chez équipe? Well, I mean, I think people should be conscious. First of all, the coach should be conscious that he's the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon. I mean, that should be a constant
should be a constant reminder. You don't just come in and you try players at will and you take 3-1 and you say, well, the atmospheric conditions were not favorable. I try to look in the annals. Since the 21st century, Cameroon has never conceded 3 in an AFCON qualifiers. The last time even we even conceded 3 as the Indomitable Lions of Cameroon was at the last African Cup of Nations in Egypt, where we're beaten by Nigeria. So you should understand that. I mean, you are not the Indomitable Lions of Cameroon. You take 3. Even if you take the Chan team, bring them there, I don't think they are just going to go there, relent their efforts and just play as at will. Kunde Malong, for example, a playmaker, he's coming back from injury. You take players like Ongene and Banyak and you put them in the central defense, whereas these guys are not even competitive. They don't even know themselves. It's true that we are testing players, but at one point you should really work on the psychology of these players. We are going to play an opponent, and I mean, it's the Indomitable Lions of Cameroon. Sometimes I just have the impression when I watch the game, I just have the impression that the players don't really realize the pressure, the importance. They have no pressure putting on that jersey. So, I mean, we are playing at home. You said things have to change, and I bet you things obviously will have to change. These players are even lucky that we are playing behind closed doors, that because of COVID-19. If it were not COVID-19, we know ourselves, we know our fans. You cannot go there and you be it in Japoba or in the Amadou Ahidjo Stadium. You cannot go there even in Limbe and come back like that with maybe a draw or a defeat. So these players should really be conscious. I mean, it's really the problem of these binationals who come in. They know it's just a game. Well, playing for Cameroon and playing at home, it's not just a game. The coach should be conscious. The players should be conscious. But I think we're going to have changes at the level of the central defense, because the whole problem of that team. Avant d'arriver à ces changements qu'on attend au sein des Lions et Notables, j'aimerais prendre l'avis de Sandol Omtiti. Je voudrais dire, tout à l'heure, on a parlé de l'apport des techniciens médicaux et autres. Lorsque vous avez besoin d'une performance et que vous voyagez pour arriver la veille de la compétition, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui ne vous a pas parlé des effets physiologiques sur un sportif. Quand vous avez voyagé comme ça, vous avez à peu près 24 à 48 heures de récupération pour produire de la performance. Ça veut dire qu'en partant, nous-mêmes, nous étions conscients de ce que nous avons gaffé sur le plan scientifique et qu'on ne pouvait pas atteindre quelque chose de grand. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur le... Comment je peux dire ça? Sur les attentes de l'entraîneur. Est-ce que les gars n'étaient pas déjà assis, nous avons 10 points, c'est largement suffisant pour pouvoir venir encaisser 3 Mais quel but? Quel but? C'est d'autant plus difficile que c'est quand même le Cameroun qui a ouvert la marque. Oui, mais ce genre de but, on les encaisse plus dans les écoles maternelles à Yaoundé. C'était le but. Telle marque dans son propre camp, au stade de Japoma, et que les mêmes Lions Indomptables, lorsqu'ils ont joué leur premier match au stade de Limbé, ça n'a pas été vraiment ça, et que les mêmes Lions Indomptables, lorsqu'ils ont joué la première compétition au stade Amadou Ahidjo, à 72, ce n'était vraiment pas ça. Je ne voudrais pas être sur cette oiseau. Vraiment, il ne faudrait pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je ne voudrais pas être sur cette oiseau, mais je dis qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir remonter le moral à la fois des joueurs, et surtout que le public ne sera pas totalement content du fait que le match va se jouer à huis clos. Mm-hmm. Quand on a regardé le quart de finale du CHAN Cameroun-RDC à Japoma, on peut se dire que le public s'attendait à vivre un grand événement. Ça également, à ce niveau-là, il y a cette coupure. Mais tout le mal qu'on peut souhaiter aux Camerounais, aux Lions Indomptables, c'est de gagner, même si c'est sur un score d'1-0. Thierry Motomo voudrait qu'on s'appuie sur la compétitivité des joueurs. Lorenz Kédé, c'est l'engagement des joueurs. Vous avez parlé de tout un aspect, de toute une organisation autour de cette équipe nationale qui puisse lui permettre de s'exprimer entièrement. Raymond Eloumé, je voudrais votre avis sur la question.
That match, I covered that match, and the first thing we talked about that match was how the players were having a walk. During the walk, the first thing I noticed was even the wind, because the players were in their hotel. Their hotel was near the sea, and you noticed the wind, how it was carrying. Even when they were walking, you saw the wind. And now, we cannot talk of climatic conditions. When a match is on the screen, there are three pieces of geographical information which is there. You have the wind speed. That day, the wind speed, which was Mozambique, you had Olivier Mbaiso, you had Nga Fabrice, and you had Jerome Ongene. The only person lacking was Harold Mukudi, who could not be there. If you take the midfield, Kunde Malong played against Mozambique where we won 2-0. The only new members, and that's where I joined Coach Thierry Motomo. You cannot have a player, Kunde Malong is just back from injury from Mainz. And then you go and put him in a Zambo Anguissa position when he doesn't have the lungs to be able to do the running that Zambo Anguissa runs. And then you send Arnaud Djoum down, you put Jean-Emile Odana to be the midfield relate. It's a little bit difficult tactically. The attack line is what the coach knows. Against Mozambique, the 2-0, Muminga Malo had two assists in that match. He assisted Vincent Boubacar and he assisted Serge Tabekou. And Serge Tabekou came in for Njie Clinton. So in the coach's mind, let me give a start to Serge Tabekou. So looking at the thinking of the coach, it was, let me put in those that I trust. But now you are in Cameroon. You are in Douala. And I've been saying this all along, that if the coach does not reside in Cameroon, he will not feel the impact of winning a competition in Cameroon. Jean-Pierre Fial avait quand même souligné ici que Antonio Conte Sao faisait le tour des stades pendant qu'il était au Cameroun. Yes, but et qu'il a eu le temps yes, de voir. But the thing is that his stay ends on the 30th of March, which means that the next FIFA window is from the 31st of May till the 12th of June. That's for World Cup qualifiers, Zone Africa. If the coach does not live in Cameroon, he will not be able to feel the 1972 effect that he still has on Cameroonians. Cameroonians believe that if we host, we must win. So imagine that the coach does not have that feeling that a person like Claude Leroy had. It is easier for the Cameroonian team to win out of Cameroon than it is inside here because of the pressure. But I'm still saying it, and I'll say it till the competition starts, that I prefer that Antonio Conte Sao lives in Cameroon so that he gets the pressure now. Because when it starts in January 2022 and he starts getting the pressure, we are the ones who are going to lose. Je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique. Moi, je voudrais quand même souligner quelque chose. Il n'a pas beaucoup utilisé nos locaux pour qu'on puisse quand même les voir évoluer. Oui, vous faites ils n'ont pas eu droit autant à un temps de oui, jeu. Je crois qu'on a fait entrer Akoasomo à la 7 minutes. C'était pas totalement peut-être ça. Peut-être l'occasion demain de les mettre un peu à l'œuvre. Je crois que ici, si l'entraîneur est encore sur ce que j'appelle la préparation à la formation de son groupe. Parce que d'ici le mois de juillet entre juillet et août, il n'aura plus la possibilité de faire des tests, des essayages et autres pour chercher des combinaisons. Donc c'est le moment, n'est-ce pas, effectivement, d'envoyer ces jeunes, n'est-ce pas, sur le terrain et pour voir effectivement s'ils sont capables aussi de rejoindre les autres. Donc nous avons, que ce soit Ako, que ce soit Banga, que ce soit Meapia, ou encore, pourquoi pas, Omosola et Querido et Achou Querido, ils sont encore capables de jouer et d'aller s'exprimer. Donc je crois que ce qui a été fait la dernière fois, c'est vrai que chacun a ses choix. L'entraîneur, c'est lui qui décide, hein, c'est lui qui fait des choix, c'est lui qui décide sur qui doit aller sur le terrain. Mais moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis resté sur ce qui est ressorti pendant la conférence de presse en parlant, n'est-ce pas, de la compétitivité. Et ici, ces joueurs, ils sont compétitifs. Omosola est titulaire dans son club en ce moment. Achou Querido est titulaire, n'est-ce pas, il sort du CHAN, il est titulaire à PWD. Nous avons la même chose, n'est-ce pas, pour les autres. Donc on a la possibilité de donner la chance à ces joueurs de s'exprimer. Parce que ici, même si Sando nous dit tout à l'heure que le Rwanda a son problème, c'est de gagner absolument et attendre. Mais une défaite,
n'est-ce pas parce que vous avez mis ces jeunes sur le terrain pour... Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je ne vois même pas la défaite dans ce genre de... Voir quel sera le visage des Lions de la sélection nationale demain face au Rwanda. On ne peut que dire ou souhaiter bonne chance à nos valeureux Lions indomptables pour qu'ils puissent nous faire sourire demain après la confrontation. Une petite pause et on passe à autre chose. Protège les autres. Portons-le systématiquement dès que nous sortons de nos maisons, ouvrons la bouche et le nez. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Retour sur ce plateau pour aborder la dernière articulation de ce Sport Club. Et on reste dans la maison Lions indomptables du Cameroun, mais cette fois, nous changeons de chambre pour retrouver les dames qui cherchent également ticket qualificatif pour une compétition d'envergure. Ce sont les Jeux olympiques de Tokyo. Le Cameroun joue le match de barrage contre le Chili et ce sera en Turquie les 10 et 13 avril 2021. Dernière étape, ultime chance de qualification pour les Camerounaises et la sélection nationale est rentrée en stage interne depuis le 17 mars dernier pour préparer cette échéance importante. Le sélectionneur Alain Ndiamfa a fait appel à des joueuses professionnelles qui vont renforcer l'effectif des joueuses locales pour disputer cette double confrontation contre le Chili. 10 professionnels convoqués par Alain Ndiamfa et 10 professionnels constitués de 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et puis 3 attaquantes. Et pour ce qui est des joueuses qui évolueront en défense, on a la jeune Esther Maïkit, on a également Estelle Johnson, Eliane Mambolambo et puis Marie-Aurel Awana qu'on ne présente plus, le milieu de terrain avec Edith Geneviève Ngombelek, Raissa Fejo et Grace Ngok Yangon. Et dans le groupe des attaquantes, on retrouve Michel Akaba. Il était encore il y a quelques mois sociétaire de AS Amazon FAP de Yaoundé, mais qui est donc allé vendre ses services en France. Nshout Adjara également dans la liste et puis la capitaine Gabrielle Aboudi Ongene. Alors, face à face au défi qui interpelle le Cameroun et avec les joueuses que l'on a dans la tanière Lions indomptables en ce moment, la question qu'on se pose, est-ce que le Cameroun et les Lions indomptables pourront donc avoir les coups des franches pour aller chercher le Chili et se qualifier pour les Jeux olympiques? Quel est le regard qu'on jette sur l'équipe nationale de Chili? Voilà autant de questions et je renvoie la question, la toute première, à l'entraîneur que vous êtes. Vous avez suivi l'évolution des joueuses Thierry Motomo et la préparation d'Alain Ndiamfa, 10 joueuses professionnelles et quelques autres pour aller terminer le stage et faire face au Chili. Le Cameroun aura-t-il les moyens de passer le tour? Oui. Avec le retour du duo Estelle Johnson, Auriel Awana, oui, en défense centrale.
Ça, c'est déjà une assurance d'abord, parce qu'il faut avouer, les deux se connaissent très bien. Ça, elles ont déjà évolué ensemble et il y a des automatismes entre les deux. C'était un peu, ça nous a causé quelques petits soucis ces derniers temps, l'absence de l'une ou de l'autre, surtout d'Auriel Awana. Et nous avons vu, hein, ça a été très difficile pour le Cameroun. Bon, nous allons jouer un match de barrage, ce qu'on n'avait pas réellement prévu. Ça, il faut l'avouer, maintenant, nous sommes en train d'aller jouer un match de barrage. C'est vrai que c'est aussi difficile parce que tous les Camerounais attendaient ce match ici. Au moins, nous savions qu'ici, sur place, on allait avoir ce 13e homme, 12e homme, 14e et autres femmes qui peuvent, n'est-ce pas, pousser les filles un peu plus haut. Mais je crois que tel que le groupe est en train de se préparer, il y a lieu d'espérer, n'est-ce pas, que nous allons... C'est pas une foot de guerre que nous avons en face. Maintenant, je sais que le coach Djemfa, c'est peut-être une petite confidence, il est un peu mal. Il est un peu mal à l'aise parce qu'il avait misé sur une joueur locale qui malheureusement a fait une petite connerie, Senga Manga, qui était au top de sa forme. Ça, je peux vous assurer que franchement, ça dit même celles qui sont à l'extérieur, à Kaba et autres, avaient du mal à suivre le rythme de cette jeune fille en ce moment. Malheureusement, elle a fait une petite connerie et puis elle se retrouve où elle est aujourd'hui à l'hôpital. Mais je crois que le retour de Raïssa au milieu de terrain avec Ngombelek et autres, ça Question peut... Quand même, hein, au niveau de l'axe du compartiment intermédiaire, on a souvent du mal à cerner qui fait quoi entre Ngofiango, Ngombelek et puis... Raïssa Feudje. Mais c'est à l'entraîneur de s'imposer, c'est à l'entraîneur de vous dire exactement ce que vous avez à faire. Ça se prépare aux entraînements. C'est vrai que les trois ont pratiquement joué dans le même rôle, c'est-à-dire le même registre pendant des années. Raïssa a mené le jeu, Ngombelek a mené le jeu, Ngognango a mené le jeu. Maintenant, quand elles arrivent de l'autre côté, on a ramené Raïssa, milieu défensif, c'est la même chose qu'on a un peu fait avec Ngombelek et les autres. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'elles peuvent avoir des difficultés. Mais, sincèrement, je sais que, on me dira, c'est la solidarité des techniciens, mais sincèrement, il est souhaitable pour nous de continuer et de penser que ça peut se faire. On va peut-être parler de ces joueuses pour dire tout simplement que, en ce qui concerne cette confrontation, c'est un match unique. Peut avoir une forte valeur psychologique pour les joueurs. Oui, mais dites très rapidement, il faudrait qu'on dise aux Camerounais que la présentatrice de l'émission et les invités sont des Camerounais et qu'ils seront très heureux de voir notre pays se qualifier. Mais tel que les choses se sont présentées et préparées, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Je voudrais rentrer chez moi là à minuit, dormir, et en estimant que j'ai donné la bonne information. Quand vous préparez une telle participation et que vous n'avez pas de match amicaux, coach, on en parlait tout à l'heure pour les autres, pour moi, pour le handball, ça me pose des problèmes. Coach, lorsque vous sélectionnez des joueuses parmi lesquelles il y a certaines qui sont blessées, il y a d'autres qui sont dans les championnats où ça ne joue pas, on s'interroge. Comment ça s'est passé pour que la performance... Enfin, comment ça va se passer pour avoir une performance? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des préoccupations, qui est la mienne, vous avez fait courir les enfants au Mont Fébé, vous avez fait des stages... Non, mais c'est ce qui se passe. Je n'invente rien, Edith. Et comme maintenant, on attend un travail spécifique avec en salle, vous ne l'avez pas fait. Nous sommes le 29 mars. La compétition, le premier match se joue le 10. Vous n'avez pas fait des repérages climatiques pour la Turquie où ça va se jouer. Comment ça va se passer? Et maintenant, le dosage entre ces joueuses associées, celles qui sont venues de l'autre côté, comment ça va se passer? Il ne suffira pas de dire que non, tel est le duo de tel. Face à cette préoccupation, justement, j'ai envie de savoir, n'était-il pas mieux d'aller faire ce stage en Europe? Justement, c'est à ce niveau-là que je voulais arriver. Well, the way things are done in women's football is that generally Alain Djemfa is going to regroup local players. They are going to train
on the eve of the game, the professionals will come and they are going to play. Yeah. So those who usually do those camps are the local players, but those who play are those coming from abroad. So it has always been like that. And some of the local players know that they just go there to fill in the blank spaces. They just go and run, and after that they know that they are not the ones who are going to play. But I think it's interesting because we have some players in Europe who go directly to Turkey instead of coming here. It would be interesting to see finally Alvin Jole, who have been waiting for her, and even Chapchet Chanel of Tokyo University. I mean, this is fresh blood into the Lionesses' den, and I think they can bring a plus. But we should equally remind ourselves that this same Chilean team played a friendly with Zambia and really whitewashed Zambia out. And we saw the difficulties we had against Zambia. It's true that football is not because I had beaten this person and this person had beaten the other person that I'll be able to beat. But we should have that in mind that the Chileans, they played South Africa, they played Zambia, they have been playing with African nations in preparation towards this game, and they have always slashed out the African nations on a 2-3-4-5-0 aggregate score. So, I mean, it's just like Sando was saying earlier, it's going to be a tough game, especially in view of how far we have prepared towards this game. Je vais prendre deux derniers avis. Est-ce que, qu'est-ce qui peut être la clé de cette rencontre, d'après vous, Raymond, avant de retrouver Thierry Mutombo pour conclure? Well, I think the first thing would be that we reach Turkey quite early. For me, that would be the key, such that the players could adapt. Let's not forget that Turkey is at the Bosporus, and we are moving into spring, which means that the climate in Turkey is a little bit different from Central Europe. And Chile is closer to the southern hemisphere, which means that the climate in Turkey will not be the one that they are used to. And I think that's why Chile has been playing these test matches with Zambia, with South Africa, which we have not been able to do. But like we always do, we always count on the lion spirit. We always think that because we are going to regroup and Estelle Johnson and Marie Awono, we have up front the Chud Ajarao, Budiongene, we are going to win. No, I think that if we can still negotiate even a test match in Turkey, it will help our bid a lot. And un seul match, vous pensez que ça va suffire pour gérer cette situation? Thierry Mutombo, je vous écoute. Non, ici, c'est vrai que l'absence des matchs amicaux, vraiment, on ne va pas applaudir. Mais la chance que nous pouvons avoir, c'est que cette équipe, ce sont des joueuses qui se connaissent depuis pratiquement 4-5 ans. Que ce soit Auriel, Estelle Johnson ou encore celle qui joue en attaque, Abou Diongene, Chut Adjara, Raissa Fejo. Elles se connaissent. Donc ici, les automatismes reviennent généralement après 2-3 séances d'entraînement. Ça, comme contre la Zambie, par exemple, coach. Non. Il faut bien qu'on s'entende. Contre la Zambie, vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait des manquements sur le terrain, c'est-à-dire des filles qui rentraient. On n'avait pas tout le monde. On n'avait pas toutes ces filles sur le terrain. Ne faisons pas semblant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, si ces filles répondent réellement présentes, si elles sont là, je crois que ça peut nous permettre de rêver, ça peut nous permettre de penser que ici, avec certains automatismes, elles peuvent faire quelque chose d'intéressant, surtout avec la forme des deux qui sont en attaque, que ce soit Aboudi, que ce soit Chut Adjara, nous pouvons nous permettre quand même de rêver à ce niveau. Je préfère rêver avec vous, coach Thierry Mutombo, à tous les panélistes également. Je vais dire merci d'avoir été avec nous, madame, monsieur. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Sport Club. Merci également à vous qui nous avez accompagnés au nom de toute l'équipe de production. Je vous dis une fois encore merci, madame, monsieur. On se retrouve dans 48 heures et ce sera certainement pour débriefer la prestation des Lions Indomptables du Cameroun après le match contre le Rwanda. Bonsoir.